Good morgen, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat François Vajé Ben Hana, Janine Ruth Ben Fortune Mazal, Fina Claude Shalom Ben Shalom et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perikret Mishnah Lef, Elou Dvarim, Sheben Bet Shamay, Obet Hillel, Basse Ouda. Bet Shamay Omrim, Mevarech Ala Yom, Vacharkach Mevarech Ala Yain, Obet Hillel Omrim, Mevarech Ala Yain, Vacharkach Mevarech Ala Yom. Telles sont les choses qu'il y a entre Bet Shamay et Bet Hillel dans la Seouda. Soit, on va voir une série de machloket dans ce chapitre, où toutes les mécharettes quasiment, où on va voir, on va évoquer une situation et on va dire qu'il y a une machloket entre Bet Shamay et Bet Hillel. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. À la fin, ça va se calmer un petit peu, mais pour la première partie de la Mishnah, on a toute une série de Mishnah. Entre parenthèses, c'est un périple que j'aime beaucoup étudier avec les enfants, parce que vous allez voir, à chaque fois on va rapporter une machloket. Comment se conduire dans le repas, d'accord? Il faut se conduire comme ci, dire comme ça, comme on va voir tout de suite, dans quel ordre. Et puis, constamment, pour la plupart des marlokotes, à partir des Mishnah Bet surtout, ils sont en discussion sur un point, et puis lorsqu'on veut approfondir pour comprendre la discussion, on va découvrir qu'en réalité, ils discutent sur autre chose de complètement différent, et que la conséquence de ça, c'est d'arriver à la marlokot qu'on a ici. Ça apprend aux enfants à comprendre que au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de plus profond, tout simplement. C'est l'esprit de la Gemara, il est condensé dans ce chapitre. Les enfants, ils étudient ça quand ils ont 7 ans, 8 ans à peu près. Donc du coup, ça commence à le réveiller, que tu vois les choses en apparence, ça a l'air d'être ça, mais en profondeur, c'est bien plus compliqué que ça. Et on a en tout cas la première machloket qui est Bet Shamay Omrim, Mevarech Ala Yom, Vachakach Mevarech Ala Yain. Selon Bet Shamay, lorsque tu vas dire un kiddush, on va commencer selon l'ordre chronologique de la Seouda. Tu ouvres le repas avec ton kiddush. Eh bien, Bet Shamay me dit, Mevarech ala yom, vachakach mevarech ala yain. Lorsque tu fais le kiddush, tu fais d'abord la bracha sur le jour saint, et après seulement tu dis la bracha sur le vin. Et Bet Hillel omrim, et Bet Hillel me dit, non, tu fais Mevarech ala yain, vachakach mevarech ala yom. D'abord tu fais la bracha sur le vin, après tu fais la bracha sur le jour kadosh. Soit, lorsqu'on fait le kiddush, comment est-ce qu'on fait? Yom hashishi, vechule. Point. On a fait la bracha sur le vin. Et après, on fait la bracha sur le jour. Donc, on fait d'abord la bracha sur le vin, puis ensuite, on fait la bracha sur le jour saint. On glorifie Hachem, on remercie Hachem qui nous a donné des jours saints. On se rapproche de lui. Ça, on procède ainsi parce qu'on pense comme Bet Hillel. On fait d'abord la bracha sur le vin, et après la bracha sur le jour. D'après Bet Shamay, ça ne fonctionne pas comme ça. D'après Bet Shamay, tu commences, tu dis Yom HaShishi. Après, tu dis Baruch Ata Hashem, Alkanu Marla, Mashir Kiddishanu, Mzadeh Sivanu, Vashalishanu, Mzata, Viratza, Vanu, Veshabbat, Kotcho, Baava, Brasan, Yichelanu, Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Tout le monde dit Amen. Baruch Ata Hashem, Alkanu Manech HaOlam, Boré Pire Geven, et on boit le vin. Telle est la vie de Bet Shamay. Comme ça se passait dans la maison de Bet Shamay. On fait d'abord la bracha sur le jour, après la bracha sur le vin. Quel est le point de discussion? D'accord, il discute, lui, il dit tu fais comme ça, l'autre il dit tu fais comme ça. Ou d'où ça démarre? Deux sujets évoqués, deux raisons, deux justifications. Selon Bet Shamay, Bet Shamay te dit écoute, 2 millions, on fait un petit peu d'ordre. Deux raisons. Vendredi après-midi, doucement, le soleil va se coucher et la nuit tombe et tu rentres dans le Shabbat. Qu'est-ce que tu rencontres en premier? Le Shabbat. Après vient le moment de faire ton repas, tu vas maintenant boire ton verre de vin. Il s'avère que selon l'ordre, d'abord tu t'es fait imposer de remercier pour le Shabbat que tu reçois, et après tu es confronté à ton vin, et donc tu fais la bracha sur ton vin, en deuxième position. Selon l'ordre que tu rencontres les mitzvot, comme le principe de Enma Virina la mitzvot, c'est la même idée. Tu rencontres maintenant une cause de bracha, tu fais la bracha, après une deuxième cause de bracha, tu fais aussi la cause de bracha. Il faut savoir, à chaque fois que tu as deux brachot à faire, il faut savoir quel est l'ordre de priorité selon laquelle tu donnes. On a des règles, tadir veshano tadir, qu'est-ce qui est plus fréquent? Imagine, tu as bu un verre d'eau, on va aux toilettes, on ressort, on a maintenant une bracha de hachar al-sar et de bracha de hachar al-sar. Qu'est-ce que tu dis d'abord? Bracha de hachar al-sar al-sar. Là, on aura la règle de tadir veshano tadir, celle qui est plus fréquente. Il y a toutes sortes de règles comme ça qui fonctionnent. Alors maintenant, selon Bet Shamay, il te dit, tu fais d'abord la bracha sur le jour, parce que d'abord, le jour, c'est ce que tu rencontres en premier,
Puis après, tu rencontres le verre de vin, donc tu fais la bracha en deuxième position sur le verre de vin. Et deuxième raison en plus de Beit Shammai, tu dis écoute-moi, ton verre de vin, si c'était pas Shabbat aujourd'hui, ton verre de vin, il vient pas. Donc pourquoi le verre de vin, il est là? Il est là, hein, parce que c'est grâce. C'est Shabbat qui impose de faire une bracha sur le vin. Donc d'abord, tu glorifies Hachem, ce qui donne le Shabbat, après tu fais la bracha sur le verre de vin. Beit Hillel, il fonctionne à l'envers, il te dit non. Beit Hillel, il a deux points, il relève sur deux points. D'abord, il te dit comme ça. Il te dit, d'abord, tu fais la bracha sur le vin. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de vin, tu n'as pas de pain, tu ne fais pas le kiddush. Finalement, grâce à qui tu fais le kiddush? Grâce au verre de vin. Ok? C'est le shimen lo yain, au pâte, lo yikodash, tu pourras faire le kiddush. Qu'est-ce qui permet de faire la bracha sur le verre de, sur le jour? C'est le vin. Donc, du coup, tu fais la bracha d'abord sur le vin, puis après sur le kiddush. Sur le jour saint, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.